Oh, bordel! Oh, j'en ai mal au crâne. La vache! Bon. Ah. Y a un truc qui a changé. Zut, j'ai cliqué en dehors du jeu. Elle est dans quelle position là actuellement? Les bras contre le corps. Ah bordel. Ok, du coup. Je peux plus bouger ses bras, elle. Ils s'en battent les couilles. Mais d'une violence. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Attendez. Est-ce qu'il faut? C'est bizarre que elle.
Je ne puisse plus bouger ses bras. Ah si, ça y est. Du coup... C'est que je pouvais pas à cause de la bougie. Mais du coup... Du coup, il faut que je trouve la position où ils sont expressifs, je pense. Du coup, on va essayer, on va commencer par la position en T. Voilà. Le T, pour les deux, ils sont inexpressifs. Donc, on va dire... C'est ça, pour le moment, ils sont inexpressifs. Hein. Ils s'en tapent. Donc, ils sont... Les yeux ouverts, mais ils s'en foutent. Ensuite. Bras droit. Comme ça. Donc ça, c'est ça, on est d'accord, c'est le deuxième. C'est le deuxième symbole. Hein. Bras droit en bas, bras gauche en haut. Donc, bras droit en bas, bras gauche en haut. Son bras gauche et son bras droit. Hein. On va faire pareil pour elle. Ah. Ça a changé. Bouche ouverte, yeux fermés. Quoi, c'était ça? Ok, super. J'ai les ciseaux. Je sais pas, je vais utiliser sur eux, mais... Ah, bordel. Non. Bon, on avance. Progéniture. Parce que ce monstre a réussi à avoir un fils, quoi. Ou une fille. Bon.
Donc ça, ok. Donc ça dans un sens ou dans l'autre, on s'en fiche un petit peu. Ça, c'est peut-être plus pertinent, ça. Truc, c'est ça, là. Ça. Attendez. Ça, je vais le couper pour le moment. Le truc, c'est ça. Je suis obligé de faire ça. Si, quand, si je veux insérer quelque chose, il va falloir obligatoirement que je fasse ça. Sinon, je peux faire ça et ça. Et comme ça, au moins, l'eau, je peux la ramener ici. Ensuite, ça, c'est toujours relié. Et j'aurai qu'à donc ça et ça à changer si jamais je veux mettre quelque chose dans le truc. Autre chose en attendant. Ok. Un œuf. Ok. Du coup, pour le coup, c'est pertinent. Ah, par contre, si je peux faire ça. Non, je peux pas. Bon. Ça, c'est une pomme de terre. Ok. Et il faut que je mette de l'eau là-dedans. Pas de. Faut que j'allume ça. Lui, je l'ai pas vu encore. Le pot, ok. Oh bordel, c'est dégueulasse, frérot. Oh, t'es cringe, frérot. Oh mais bordel, mais en plus c'est dit quoi. Oh, frérot, t'es cringe. Oh frérot, t'es cringe. Bouffe. Oh, je rigole, mais... Bon, allez, hop. Des silex. Ah, pour allumer le feu. Ok. À l'ancienne, quoi. Rose. C'est une fille. Eh bah, ton père est... Eh oui, je t'entends. Oh! Tiens, je t'entends pas, non. Allez, voilà, oui, si tu veux. Je t'entends. Quel est ton prénom?
Faut que je mette Aldous peut-être. Aldous. Allez. Non, c'est pas. Je l'ai peut-être mal orthographié. Non, si c'est ça, Aldous. Bon, ok. Peut-être William dans ce cas. Avec deux L. Ok. What is your last name? Quel est ton nom? Oh, Vanderboom. Venderboom. La Ouija, quoi. Do you want my key? Do you want my key? What do you want? What do you want? Ah, d'accord, ok. Je l'ai vu en sortant. Ok. Des 10 sacrifices, rebirth. Ah, du coup, c'est quoi qui me manque? Ah non, je crois que j'ai le choix. Attendez, ce que je veux. Oh purée, je peux tellement taper de trucs. Je peux taper Sacrifice, je peux taper Rebirth, je peux taper. Je peux taper Your Death, je peux taper. Putain, mais je peux taper tellement de trucs. Tellement de trucs sombres. Putain, on est sur la bonne foulée là, puis. Ah, puis bien sûr, en plus, le temps passe. Moi, j'ai pas. J'arrive à la fin de ce tournage. Que je fais ça. What do you want? C'est pas Rebirth. Oh merde. J'ai un doute. Je me suis trompé sans sacrifice. Avec un S à la fin.
C'est pas ça. Je sais pas ce What qui. do you want? What do you want? Si je tape simplement watch pour une montre. C'est SH. Je sais même plus écrire watch, parce que ça me semblait bizarre d'écrire comme ça. Si, c'est ça. WATCH. Watch, montre quoi. Timepieces, peut-être. Timepieces. Timepieces, peut-être. Zut. T-I-M-E-P-I-E-C-E-S. Timepieces. C'est pas ça. Et je me suis pas trompé en le réécrivant, hein. On est bien d'accord, c'est comme ça. Je suis bien en orthographe, moi. Zut. Zut, zut, zut. Et j'ai tapé Rebirth, j'ai tapé Sacrifice. Oh non. What do you want? Putain, mais elle lève les What yeux en do plus, c'est you ça. Brain. Y a un E à la fin de brain? Non. C'est ça, hein. Je vais pas taper cerveau, c'est. Je tape head. HEAD. Je sais pas pourquoi il y a Aldus là. Ok. Live. Ah, je veux vivre. Ouais. What do you need to live again? Allez, on va. Je vais retaper tous les mots encore. Ah. En plus, c'est chiant ce système qu'on puisse pas utiliser de clavier. Je vais retaper brain parce que c'est le mot le plus simple. R-A-I. Brain. Non. J'ai toujours un doute s'il y a un E ou pas. Je vais taper sacrifice. Oh.
do you need to open the gate? What do you need to open the gate? Non, mais je suis con. Non, c'est trop bateau. Ah! Time pieces! Ah, oh, c'est pas vrai. Ok, donc nous nous retrouvons avec la musique qui fait un petit peu peur. Je vais laisser un petit peu. Si elle me casse trop les oreilles, je la couperai comme d'habitude. Alors pour moi, on se retrouve plusieurs jours plus tard, là. Donc on était avec Rose et elle nous demandait de quoi on avait besoin pour ouvrir la porte. Et il me semble qu'il fallait répondre. On n'avait pas répondu ça? Time pieces? Il me semble que c'est ça, hein, qu'il faut répondre. What do you need to open the gate? Alors, time. Non. Time. C'est pas comme ça s'écrit ici. C'est bien IE. Mais non, excusez-moi. Oh, je vais prendre en faute. Ah oui, si, il est là mon téléphone. J'allais dire. Putain, elle est angoissante cette musique. Non, non, je me suis trompé dans l'orthographe. Hein. Autant pour moi, c'est moi, c'est. Autant je suis bon pour parler anglais et le comprendre. Mais en anglais comme en français, je suis une bille en orthographe. Toc toc toc. Time. Voilà, on est bon. Du coup. Je t'aiderai. Ok, d'accord. Donc. Automne, le puits, partie 2. Sachant qu'on n'a toujours pas le cerveau, hein. Je vous rappelle qu'on n'a toujours pas le cerveau. J'ai bien peur que ce soit le sien qu'on finisse par. Piège à loup. Une hache, un bâton. D'accord, ok. Donc là, il va falloir faire un feu. Ah. Téléphone. Golden Thing, get out. Ok. Ah, d'accord, ok. Ok, donc Y et bâton. Donc c'est à boire. Ok. Ok.
Ah, c'est horrible. Si c'est ce que je pense, c'est que ça va être horrible. Ok. Rempli de liquide. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est horrible. Ah, ok. Ah. D'accord. Mince. Du coup, on est d'accord. On est d'accord, hein, ça c'est la nourriture. Hein. C'est ce qu'il demande, c'est la nourriture. C'est ça. Ah, il y avait une histoire de poisson, notamment. Parce que j'ai un ver de terre. Du coup, la question, c'est est-ce que... Ah. Oui, ce truc absurde dans le jeu. Voilà. Pourquoi quand tu tu peux chasser et tu peux chasser du poisson. C'est original. Ah oui, il faut le faire cuire. Et pour finir, bien évidemment, le Golden Stick. Du coup. Enfin, le Wooden Stick. Pourquoi je dis Golden Stick? Ça a aucun sens. Hop, du coup, est-ce qu'on peut récupérer ça? On peut récupérer ça. Franck et Albert, peut-être régler leur compte. Un échiquier, mais que de 6 par 6, pas de 8 par 8. Donc. Hein. On va essayer 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1. C'est ça.
Ouf. Ok. Bon, on sait de qui sera le cerveau, hein. Cérébrum. Et donc le roi. Ah, d'accord, ok. Ah, donc le cerveau de l'un ou de l'autre. Ah, faut que j'arrive à le mettre échec et mat, c'est ça? Du coup, faut que j'arrive à le mettre là. Ah. Et donc, je vais reprendre une photo de Cérébrus, là, machin. Du coup, on est d'accord. Je contrôle toujours le cavalier. Donc, Cérébrum. Voilà, je vais garder le mot en photo. Alors. Ça donnerait. Si. Ouf. R. E. R. Je suis coincé, je n'ai pas de M. Ah si, le B, E. Non. Du coup, c'est S. Ah. Thank you.
Logique. Ok. Et donc on a tous les éléments par contre de l'élixir de vie. Il nous reste trois niveaux. Ça devrait le faire. Qu'est-ce que ça? Attendez. Oh, il casse les couilles avec ça, lui. Attendez. Hop, voilà. Alors. Lui veut de la musique. Emma veut de la musique aussi. Non, si c'est ça, c'est Emma. Non. Rose. C'est ça, c'est Rose et lui, c'est. Zut, j'ai oublié. Ah. On retrouve le fameux CD. The Lake Suite. Donc ça, ok. Donc je dois avoir quelque part. Ah zut, ok. Alors. Comment ça? Non mais je sais pas pourquoi j'ai voulu suivre les flèches mais. D'accord, c'est comme le jeu des glaçons qu'on avait eu à dans Paradise. Ah. Ah. C'est ça. Thunderbolt Family Times. Ah d'accord, ok. Donc il existe un autre CD. Enfin un autre vinyle. Alors.
chiant cette musique. Du coup, c'est 2 à droite, 2 à gauche, 3 à droite, 3 à gauche et 2 à droite. Bon, c'est ça. Une, deux, une, deux, une, deux, trois, une, deux, trois, une, deux, c'est ça. Ah ok, et donc là j'ai un nouveau code. Je vais pas m'embêter, je vais le photographier. Parce qu'il est un peu plus complexe que l'autre. Là là, toutes les photos que j'ai du jeu. C'est débile. Bon. Oh, c'est la robe de Laura. Ok, bon. Il manque un élément, à mon avis. Ah, bordel, d'accord, ok. L'aiguille. Et on va voir la goutte de sang qui me manquait. Du coup, là, je vais avoir la dernière. La dernière. Oh, montre. D'accord, on a les dates. 1926. 1886. Emma, ok, d'accord. Ben oui, je sais bien. Du coup, t'as le chien, lui, là, depuis le départ, lui. Ok, du coup. Alors, je sais pas à qui est ce corps. C'est une main. Ok. Ah.
Mois et jour. Ok. Il va falloir deux, trois infos en plus. Bon, on va déjà reconstituer le squelette et on s'occupera de la boîte après.